Allez, salut à toutes et à tous, ici DX91 pour l'épisode 2 de Dokkan Battle. Comme vous pouvez le voir, je suis monté niveau 18. J'ai un peu fermé les pierres du dragon jusqu'à en avoir 30. Mon équipe a été très. Enfin, elle est bof pour l'instant, mais avec le temps, je pense que ça va aller. Donc, j'ai Whis, j'ai Cell parfait. J'ai Great Saiyaman, j'ai C18, j'ai Sangoku Super Saiyan, j'ai Piccolo SSR. Donc ils ont bien monté de niveau, etc. Donc aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve pour une invocation. Comme d'habitude, j'ai dit que je ferais que des invocations. Donc moi, je me suis dit que j'allais faire l'invocation les aptitudes de leader. Des personnages qui sont excellents. En plus, il faut juste 30 pierres de dragon. Et encore, bah j'ai bien fermé, etc. Donc je vais vous dire les personnages qui m'intéressent, etc. Donc Sangoku, une bonne aptitude de leader, attaque et défense, ennemi de type intérêt réduit de 40%, bof. Mais il a une bonne attaque et une bonne défense, il m'intéresse beaucoup. Vegeta aussi. PV et attaque 30% sur tous les types inté et ED. Bah ça va, c'est une bonne aptitude de leader hein. Avec aptitude 15% par sphère de ki, inter et récupération d'un bonbon. Hop, c'est Vegeta quoi, une bonne attaque, une bonne défense, très complet. Pareil, oh, celui-là aussi m'intéresse énormément. Aptitude et PV plus 30% sur tous les types puissance et END. Et ki plus 2 pour tous les types puissance et END. Bien sûr, ça, cette carte est intéressante. Elle a une bonne défense, une bonne attaque, beaucoup de vie surtout. Vegeta Super Saiyan. Ah non, c'est Super Vegeta, excusez-moi. Attaque et PV 30 plus 30% sur tous les types AJ, puissance et END. Ah, lui, vous voyez, lui, il est complet. Lui, il est une bonne. Il donne une bonne attitude à tous les persos. Ki plus 2 sur tous les types AJ et réduit la régène. D'accord. Par contre, cette carte est extrêmement stylée. Son Gohan Super Saiyan 2 quand il était jeune. PV plus un peu AJ, vous pouvez voir qui plus 2. Une bonne défense, bonne attaque. Bref, là, celui-là il m'intéresse pas énormément. Peut-être lui maintenant pas trop en fait. Le plus intéressant que je veux, c'est Son Gohan, Vegeta et Son Goku Super Saiyan 2. Les deux autres, je veux bien les avoir, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est surtout ces deux-là. Donc, on va faire l'invocation. J'espère avoir de la chance. Hein. En plus, j'ai même pas de quoi me rattraper derrière, vous voyez ou pas. Donc, on va commencer par lancer l'invocation. Allez. Que la chance soit avec moi. Bon. Monsieur Satan, comme d'habitude à gauche. Comme dans le précédent. Invocation. Hop, Super Saiyan, ça va. Allez. Super Saiyan 2 au moins, ou une animation qui me plaît, s'il te 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 plaît. Super Saiyan 2. Bon, il va pas plus haut. Allez, c'est fait que j'ai des bonnes cartes. On va voir. Bon, on passe direct. On repasse direct. Videl. Chaozu. Le père de Broly. Piccolo. Ah voilà, une nécessaire. En plus, il a une bonne attaque. Bon, c'est pas celle que je voulais le plus, mais au moins je suis content, j'ai au moins une nécessaire. Je suis content. Gohan dans Dragon Ball Super. Vegeta dans GT. Et couleur. Ah non, c'est pas fini encore. Et Oob. Bon, par rapport à la précédente invocation, j'ai eu plus de SR que de rares. C'est une bonne. Vraiment, c'est une bonne invocation. Je suis content d'avoir au moins obtenu une SR. Vraiment, je suis content. Il peut se lier avec qui? Majin, bon, ça c'est tous les bouts. Cruel, Tao Pai Pai. Ouais. Il peut se lier avec C18. Il peut se lier avec couleur. Innocent, ouais, comme j'avais dit, il peut se lier avec transformation. Ça m'intéresse.
Ok. Et régénération infinie, ouais, voilà. Voilà, bah ça va, je suis content de ces invocations. Bon, la vidéo a été courte, hein, extrêmement courte. Donc, on va voir l'équipe. On va voir un peu, on va entraîner 2-3 persos. Hein. On va faire ça avec vous. Hop, il y avait énorme mince. Je suis perdu. Liste des persos, voilà. Alors. Bon, je verrai ça en hors caméra. Juste après en hors caméra. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un énorme pouce bleu pour cette invocation qui a été meilleure que la première. Et à me suivre sur Twitter et à vous abonner et à me laisser un petit commentaire et dire de quoi vous avez pensé de cette invocation. Allez, sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.